Avant de passer sur justement la situation financière dans laquelle on va rentrer et la meilleure manière de la dénouer pour garder cette croissance africaine, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot? J'ai dit un peu en introduction que on ne pouvait pas avoir une lecture unique du continent parce que en fait, il y a des régions différentes, elles ont des pays qui ont des ressources différentes. Est-ce que comment dans votre activité de fonds d'investissement, comment vous vous appréhendez disons, les différentes opportunités ou les différentes évolutions en termes des géographies africaines? Je sais pas, j'ai l'impression que mon micro a sauté, vous m'entendez? C'est bon. On vous entend très bien. Il a jailli de mon oreille. Non, c'est un des éléments de la complexité du narratif aujourd'hui. Lionel a mis en avant effectivement la dureté du mur conjoncturel avec les perspectives structurelles, si elles sont bien traitées derrière. On a beaucoup, depuis 20 ans, on avait beaucoup misé sur l'unité africaine. Et on voit bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, mais qu'il y a aussi une fragmentation. C'est compliqué. Enfin, les zones ne fonctionnent pas de la même manière, les tensions ne sont pas les mêmes aux différents endroits. On ne sait plus très bien, effectivement, si on prend que l'Afrique subsaharienne ou quel est le poids de l'Afrique du Nord. Est-ce que l'Afrique du Nord, c'est MENA, c'était l'approche de la Banque mondiale, ou est-ce qu'on refait une zone africaine? Enfin, on voit bien de dire qu'il y a un narratif africain, c'est à la fois utile et un peu trompeur. Donc il faut faire attention, d'autant plus que ce narratif, on l'a bien vu depuis 3 jours, et cette session vient d'une certaine manière en point d'orgue. On a un narratif mondial qui est extraordinairement compliqué, et il n'y avait aucune raison que le narratif africain échappe à la complexité du narratif mondial. Mais il y a toute une série d'événements qui nous traversent. On ne va pas refaire la liste de tout ce qu'on s'est dit depuis 3 jours, mais on voit bien qu'ils viennent percuter de front tout ce que Lionel a raconté, ce qui s'est passé depuis 20 ans en Afrique, avec les chocs de 2014-2015, puis le Covid, puis la guerre, puis tout ce qu'on vit aujourd'hui. On avait de toute façon le ralentissement chinois aussi, enfin, qui est aussi un renversement, y compris sur le plan financier. On voit bien la hausse des taux dans les pays occidentaux et les effets de bord sur l'ensemble des pays émergents, et Lionel, notamment sur les devises, mais pas seulement sur les flux financiers. Évidemment, ça a un aspect. Le développement du protectionnisme. Je me souviens d'avoir organisé à la Banque mondiale en 2014 une réunion sur la politique industrielle. J'ai dû faire ça en catimini, c'était un gros mot. Maintenant, tout le monde fait la politique industrielle. Ça a évidemment des effets. Si l'Europe ou les États-Unis veulent subventionner des activités sur leur territoire, ben c'est autant d'activités qu'ils n'iront pas forcément ailleurs. Donc tout ça a des effets de bord. On voit bien le discours, parce que dans le narratif, il y a aussi le discours populiste dans un certain nombre de pays. On voit bien les tensions sur les migrations. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps. De même sur l'environnement, évidemment, avec, on l'a redit dans la session sur le climat aussi, et puis évidemment une gouvernance internationale très polarisée, et d'une certaine manière où l'Afrique joue un rôle de passage obligé, et on voit bien que régulièrement, c'était le cas au sommet de Paris, on dit, bon, on nous a mis en place un système en 1945 quand il y avait 50 États, dont un État africain. Aujourd'hui, il y a 200 États. À l'époque, on ne parlait pas de climat, maintenant on parle de climat. Donc on voit bien qu'il faut toucher à ce système, qu'on ne sait pas par quelle boule prendre, et que ce n'est pas l'Afrique qui a le plus de leviers pour toucher à ce système. Et donc on a un narratif qui est compliqué, qui est beaucoup plus difficile qu'entre 2000 et 2010. Entre 2000 et 2010, il y avait une histoire, entre guillemets, relativement simple. Aujourd'hui, on a plusieurs axes. On a la tension conjoncturelle très dure qu'a évoquée Lionel. Et structurel. On a un axe macro et micro, on a des difficultés macro et en même temps il y a un jaillissement micro, enfin, Jean-Michel le dire aussi, en tant qu'investisseur on voit des choses extraordinaires qui se passent. Mais effectivement, mes anciens collègues macro de Washington, ils disaient comment tu peux investir dans des pays comme ça? Je dis bah oui, bah, c'est quand même des pays où il y a des gens, il se passe des choses. Et cette tension entre le macro et le micro, elle est compliquée dans nos conversations parce qu'on est très naturellement macro dans les grandes discussions. Alors qu'en fait, le micro joue aussi. Et puis, on a aussi cette espèce de petite musique qui est compliquée à gérer, qui est qu'on passe constamment de l'Afrique est un problème à l'Afrique est une solution. Et on le voit bien sur les. Ça manque de nuances, oui. On en parlait en préparant cette séance. D'un côté, il y a une multiplication des forums Afrique-Russie, Afrique-Turquie, Afrique-Chine, Afrique-Europe, bientôt Afrique-Italie. Il y avait Afrique-France. Enfin, donc tout le monde veut s'en occuper. Et en même temps, les flux financiers diminuent sur tous les compartiments du jeu. L'aide publique au développement, ça a été dit dans l'atelier financier.
En réalité, même si l'aide publique dans son ensemble augmente, il y a une bonne partie qui sert notamment aux politiques de réfugiés, il y a une partie qui va vers l'Ukraine, et les flux nets réels en plus vers l'Afrique diminuent. Les financements privés diminuent, les transferts des migrants diminuent. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre un narratif prometteur, et honnêtement j'achète ce narratif prometteur à moyen long terme, et cette espèce de mur conjoncturel auquel on est confronté aujourd'hui. Et donc je pense que c'est cette discussion qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, qu'on ne nie pas la réalité de toutes les difficultés, je pense qu'on peut tous collectivement faire une très longue liste des difficultés, mais qu'en même temps on se projette au-delà de ce mur, au-delà de 2024-25, et se dise mais oui, effectivement, fondamentalement, une partie de la solution de nos problèmes est en Afrique. On reviendra sur justement les questions de financement et la capacité des économies africaines aussi à mobiliser le capital local. Je vais passer sur Bertrand. Tout cela, en fait, tout le cycle de croissance des années, on va dire 2000, c'est globalement reposé sur des disponibilités en capital très élevées, une disponibilité à financer la croissance. Il y a eu déjà l'initiative PPTE qui a redonné des marges de manœuvre à beaucoup de pays. Une communauté internationale très désireuse de financer des activités et, comme on l'a vu au début, la montée du cours des matières premières. Mais on revient, le nerf de la guerre, c'est donc l'argent. Vous avez été, je pense à juste titre, assez pessimiste sur la situation globale aujourd'hui où le monde se retrouve de credit crunch après avoir largué les vannes pendant longtemps. Qu'est-ce que vous voyez comme solution de votre point de vue? Vous connaissez très bien le système de la Banque mondiale, enfin de tous les grands DFI, peut-être Jean-Michel, vous pourrez nous en parler aussi. Comment vous voyez la situation évoluer? Tout le monde sait qu'effectivement, on a deux années un petit peu difficiles, à minima, 24-25. Pour ces financements, il y a aujourd'hui des financements innovants, notamment dans le domaine du climat. Comment vous voyez le sujet évoluer? Et quels conseils vous donneriez à des gouvernements africains pour être en situation de continuer à mobiliser des financements? Je crois qu'il y a un élément qui émerge de tout ce qu'on a dit, c'est effectivement la pression de la jeunesse. Il faut créer 2 à 3 millions d'emplois par mois en Afrique. Et personne n'a jamais fait ça nulle part avant. Donc on a un défi considérable, et ces 2 à 3 millions d'emplois, ils ne seront pas créés par plus d'infrastructures, ils ne seront pas créés par plus d'exploitations minières, ils seront créés par un secteur privé qui sera « vibrant », comme on dit en anglais. Or, la grande difficulté qu'on a à tous les niveaux, au niveau des États, ça a été dit à quelques exceptions près, comme au niveau des institutions internationales, comme au niveau des financiers privés, vous avez l'expérience que Jean-Michel et moi avons, c'est que ça ne se fait pas tout seul. On a toujours le sentiment que ben, ça viendra, les entreprises se développeront si tout le reste est fait. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on se concentre tous collectivement, parce qu'il n'y a personne qui a la clé tout seul, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'un secteur privé qui est un peu caricatural, mais pas tant que ça, un peu dual, entre tel que très gros conglomérats ou quelques personnes très présentes dans les secteurs traditionnels, comme la construction, les télécoms, etc., et une masse informelle avec quelques personnes qui émergent. Comment est-ce qu'on crée une continuité, en fait, dans les secteurs privés? Et ce qui est vrai en Afrique, c'est vrai dans la plupart des pays émergents avec des nuances. C'est ce que j'ai beaucoup vu en Amérique latine aussi. Donc comment est-ce qu'on peut faire que ce secteur privé, d'une certaine manière, émerge, prospère, et d'une certaine manière, soit les acteurs de ce que Lionel vient de décrire? Ça ne va pas se faire dans un bureau d'un ministère, tout ça. C'est des gens qui vont prendre des initiatives. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement que localement, il y a un environnement favorable, et c'est pas seulement l'environnement réglementaire, c'est très important d'avoir l'environnement réglementaire, on a beaucoup mis l'accent dessus, mais c'est aussi promouvoir un environnement de consultants, de comptables, de chambres de commerce, d'endroits où les chefs d'entreprise se retrouvent, où ils sont soutenus, où la fluidité administrative existe. Enfin, on parle de la corruption, etc. Enfin, il y a tout un système local où il faut vraiment une stratégie d'accompagnement et de développement du secteur privé. Ça ne va pas se faire tout seul, il y a aucun pays où ça se fait tout seul. Il y a un deuxième sujet qui est majeur, qui sont les grandes institutions bilatérales et multilatérales internationales, où d'une certaine manière, ce secteur privé est aussi un sous-produit du reste. On se concentre sur les gros, parce qu'il faut faire du chiffre. C'est plus facile de faire du chiffre avec des gros qu'avec plein de petits. Et donc comment est-ce qu'on incite ces gens-là à travailler avec des intermédiaires?
Alors, je ne vais pas plaider pour ma paroisse, mais plaider, travailler avec Jean-Michel, mais aussi travailler. Moi, je vois beaucoup ça. L'Afrique est très en avance sur les fintechs. C'était accéléré par le Covid. Quand les gens étaient bloqués chez eux, ce n'est pas de la microfinance, c'est de la bancarisation. Il y a des fintechs qui maintenant sont capables de faire du crédit dans des conditions tout à fait comparables à des banques traditionnelles et qui peuvent aider des gens à sortir. Et là, ben, il vaut mieux qu'IFC capitalise ce genre d'entreprise qui elle-même va aller chercher les gens derrière plutôt que de faire ça depuis Washington. Ça n'a absolument aucun sens. Donc il y a un renversement de priorité et de dire le développement, ce n'est pas seulement de l'infrastructure physique, ce n'est pas seulement de l'infrastructure sociale, même s'il ne faut pas l'oublier, santé, éducation, mais c'est aussi accompagner de manière décisive et continue le secteur privé. Et puis alors on a une énorme difficulté qui est liée au cadre macro dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi des financements privés pour faire tout ça, et que ces financements privés, un, ils sont très faibles, et deux, ils sont en baisse. Et de fait, c'était... Dans quelle proportion aujourd'hui L'exposition, là, je vais regarder ça pour le sommet de Paris, l'exposition des investisseurs institutionnels européens au monde émergent hors Chine, c'est 4%, donc la part de l'Afrique, c'est une fraction de ces 4%, et aux États-Unis, c'est 2%. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de flux, et que c'est en baisse. Je prends un cas comme AXA, qui est probablement un des plus diversifiés, ils sont à 5%. Donc, ça c'est la réalité des chiffres. Et ces chiffres sont en baisse. Pourquoi ? On en a parlé dans l'atelier financier hier. Quand vous avez des taux qui remontent, pourquoi, quand vous êtes un fonds de pension américain ou une assurance mutuelle française, pourquoi est-ce que vous allez aller prendre des risques au Maroc ou en Côte d'Ivoire si vous pouvez gagner 5% en achetant de l'OAT ou du Treasury ? C'est tout bête, mais moi, c'est des raisonnements que les gens me tiennent. Politique industrielle, on pousse le Green Deal, l'IRA aux États-Unis, bah évidemment que ça attire de l'épargne. Je me sens plus à l'aise de financer une gigafactory dans le Wisconsin avec les aides américaines plutôt que d'aller prendre du risque dans le golfe de Guinée. Mais, donc tout ça, c'est des vents adverses. Et puis ce qu'on a vu ici, et qui évidemment pour moi est un sujet majeur, et ça interagit avec ce qu'on s'est dit sur le narratif tout à l'heure, c'est que, je ne sais pas comment dire en français, on est de plus en plus « inward looking ». C'est-à-dire que la plupart des pays se replient sur eux-mêmes, ça a été accentué par le Covid. Et moi, ce que j'entends et qui me chagrine, et je n'ai pas de réponse, les gens disent « il y a suffisamment de problèmes chez nous pour qu'on n'aille pas en plus s'occuper du problème des autres ». Et donc, mon épargne, elle reste en France, elle reste en Allemagne, elle reste aux États-Unis, parce qu'on a aussi nos problèmes de banlieue, nos problèmes de transition climatique, etc. Et donc, on a vraiment des vents adverses, et il faut qu'on arrive, d'une certaine manière, à trouver une voie, VOIX, pas VOIE, qui disent, ben oui, c'est l'intérêt de l'Europe de mobiliser une partie de son épargne vers l'Afrique. Quels outils on met, comment on se met d'accord, etc. Plutôt que d'en parler, de tourner en boucle, on en parlait hier avec Mme Touré, comment est-ce qu'on fait ça? Et puis, il y a un dernier sujet, je m'arrête vraiment là. On a toute une série de verrous réglementaires qui empêchent ça. Alors, ça va des trucs les plus techno, BAL 3, Solvency 2, etc., des réglementations de l'OCDE. Mais il faut qu'on rentre dans le dur de ça. Et puis, il y a tout le... Alors, je plaide un peu contre mon camp. Mais on a un sujet qu'on va appeler ESG, ou toutes les normes environnementales et sociales, où je pense que l'Europe, plutôt que de bétonner la forteresse en disant « voilà, c'est comme ça, et si vous voulez faire avec nous, c'est comme ça », on engage un vrai dialogue. Je pense que si on veut imposer, on n'y arrivera pas. Si on veut transitionner vers une économie plus durable et plus résiliente, l'Europe a plutôt intérêt à tendre la main à l'Afrique, à tendre la main à l'Amérique latine et à l'Asie du Sud. On fera ça plutôt ensemble, plutôt que de se laisser broyer entre une approche chinoise et une approche américaine. Donc, au fond, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire. C'est un défi considérable. Mais avec encore une fois, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lionel, il y a des potentialités extraordinaires. Et puis simplement, il faut se mettre en ordre de bataille. Ça ne se fera pas tout seul. Ça, c'est une certitude. Vous avez ouvert un sujet qui est extrêmement important, c'est le sujet de la voix africaine. Et je pense qu'on peut tous collectivement dire ici que cette voix s'est un peu éteinte au cours des dernières années.